que le peuple congolais se prépare tout simplement à accueillir les candidats du peuple. Les jours à dépôt et à candidature, il y a des millions de Congolais dans la ville de Kinshasa, toi accompagné. Nani un candidat? Mais attendez, c'est le meilleur d'entre nous. L'homme qui fait peur à Kagame et à Museveni, le président Joseph Kabila. Il sera candidat? Bien sûr. En 2023? 2023, il sera candidat. Dans cette vie ou dans une autre? Ceux qui ne comprennent pas les textes, nous attendons le président Joseph Kabila jouer à dépôt candidature. C'est une évidence. Il a réussi à mettre en déroute les M23. Il laisse le pays. Namaboko Abatu qui avait des recettes, mais qui viennent d'échouer. Regardez parmi les recettes qu'on nous propose. Je ne sais pas si vous avez suivi les 10 pistes. Il y a Adolphe Muzito. Notamment faire la guerre au Rwanda. Aux Olandangaï? Non, au Taliban, il dit piste, au Taliomoko, au Seki. C'est-à-dire quoi? Le problème est tellement sérieux aujourd'hui que l'IDPS vient d'échouer. Le président Joseph Kabila doit remettre la situation au niveau à 2013. Et maintenant, que Oyakoya Simanaye, les gens puissent un peu mettre beaucoup plus de batterie à Goye. Donc, selon Papi Tamba Kabila, qui c'est la coule douce en ce moment à Kachamata, on le salue, c'est un homme providentiel. Comme ce que disait King Kiemulu Matotonio Naïnote. Il ne faut pas être nostalgique, Papi. Et sa question est à Matotonio, parce que moi, je parle des faits. Je suis en train de dire que dans le leadership, dans la RDC, il y a classe politique, la personne qui a mis en déroute les M23 s'appelle Joseph Kabila. C'est son seul mérite. Ozolandangaï, si je parle de ça, parce que Yango, vous savez, Jean-Pierre, on ne construit pas quand ça brille à la maison. Même si tu es aboué, tu as toujours moi keba. Même si de façon héroïque, le président Kabila a pu construire pendant que ça brillait à la maison, mais ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas que c'est le seul mérite. J'ai dit, c'est d'abord ça. Il faut restaurer le respect de notre pays, ramener la paix. On n'est plus respecté. Yomo Rosala qui tableau a. Nana refusé l'émission au commentaire. On a dit que na tiens on a panier. Ça va baxer et l'autre, on a baxé dans le panier. Panier, on a nion sur les 20 janvier 2024. Tous yu en ouais, poubelle, hein? Wow. Maintenant, le pays rené. Avec le président Joseph Kabila, oh, déjà, tant que kaka yako zala. Et à la présidente Museveni, et à la présidente Kagame, place baza.